Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est moto. Le Hyper Trail de chez Zontes, c'est une 125 cm3. Précédemment, j'ai fait un essai sur la 125 Scrambler, si vous voulez. La vidéo s'affiche juste ici. Comme d'habitude, je fais le tour de la moto, les caractéristiques et ensuite, je vais faire un essai sur route. C'est parti. À rayon déporté, une fois de plus, comme sur la Scrambler, c'est vraiment très joli. Pot d'échappement d'origine, très sympathique. Un orange façon KTM ABS sur cette 125 pour débloquer la moto. Tout ça se fait sans clé. On appuie et ça se débloque. Les commodos sont rétroéclairés. Levier réglable, protège-main, un beau crash bar. Elle a de la gueule cette Zontes. Un beau petit trail. Même petite finition sympa sur les clignotants dans des petites cages. C'est chouette. C'est parti pour le petit essai de cette Zontes. Théo, qu'est-ce que ça donne ça? Bon, on a toujours un peu de poids à l'avant quand on penche la moto, ça surprend. Ça, c'est une petite chose chez la Zontes là, pour les deux motos que j'ai essayé. C'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Hop là, ça c'était le klaxon. Il y a les appels de phare, c'est pas mal. Ah, des warnings. Les feux de détresse qui fuisaient. Ah, petit moteur énergique quand même, hein, quatrième. Ah, 6 vitesses. Comment ça freine ça? Ça freine. Mimi, on en pense quoi? Ça freine. D'accord. L'angle de braquage, ça donne quoi? C'est pas ouf. Mais je suis pas très étonné, hein. J'ai une 125, c'est la Varese 125 de chez SWM. L'angle de braquage est aussi merdique. Ça, faut pas compter là-dessus. Juste un tout petit peu plus de manœuvre. C'est pas la mer à boire non plus. Hein, allez. C'est pas mal, hein. Alors là, je pense qu'un passager dessus, c'est limite, limite. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette Zontes? Eh bien, pour un petit trail, un petit hyper trail, je trouve que cette moto, elle est plutôt chouette. On a une selle passager. Un peu courte, un peu petite. On va voir si elle est confortable. Bougez pas. Bah écoute, ça donne quelque chose de pas trop mal. Très haut, hein. Alors, aucune poignée, hein. Ça, ça sert à rien. Faut se tenir à la personne. Je me tiens à mon petit chien et on est bon. Ok? Bon, c'est bon. Le système sans clé, pas mal. Je trouve ça assez original pour une moto 125. Ça, gadget, mais ça se la pète un peu. Toi, tu te mets dos à la caméra, c'est une bonne idée, bravo. Superbe, la vedette, abonne-toi. C'est un petit trail, ça tout d'une grande. Il manque un peu de motorisation à mon goût. Je trouvais que là, au niveau de la motorisation, c'était un peu plus efficace sur le Scrambler. Cette Hyper Trail 125 est disponible à 3 590 € hors frais d'immatriculation et de préparation, évidemment. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera à choisir la moto la plus adaptée à tes besoins. Et nous, on se retrouve très bientôt, samedi prochain, 10h. Ciao, mes petits motardos. Non, ce dégueulasse, c'est complètement la gueule. Comment on va faire le prochain tournage là? Dis-moi, t'es dégueulasse. T'as envie de te laver, de te mettre à l'eau, direct.